Je viens une fois encore présenter le champ test que nous sommes en train de faire. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre. Nous avons mis ces maïs là le 24 août. Donc, ça fait 22 jours que nous les avons mis. Donc, c'est le CIMAC 6 que c'est Christopher Degbovi. C'est celui qu'on a acheté. Donc voilà, je vous ai dit, on avait mis les maïs là, le 24, et on les avait mis ensemble avec ceux-ci. Vous voyez, non? Il y en a ici, et nous avons divisé le champ en deux, donc c'est la limite. Donc il y a ici, ensuite il y a ici. Et vous le constatez déjà, ici là, les maïs ne sont pas aussi à bon point. Ici, ils le sont. Je vous explique. Bon, ça, vous devez déjà avoir suivi notre vidéo du premier jour quand nous faisons le semis. Donc, je vais creuser. Vous allez voir un pied de maïs. Donc, c'est ça. Vous allez voir que la terre est noire. Bon, c'est noir. C'est les balles de riz carbonisées, les matières organiques carbonisées que nous avons mis avant de les mettre. Déjà, même ici, vous allez pouvoir le voir. Ici, c'est pas complètement. Donc, vous voyez, ça là, par exemple, c'est les papiers. Les papiers, nous ramassons les papiers dans les ambassades, nous ramassons les papiers dans l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, et nous les carbonisons. Et après les avoir carbonisés, on mélange la matière carbonisée avec du compost. C'est ça, avec le compost. Et nous avons mis ici. Donc, ici, nous n'avons rien mis. Ici, il y avait des composts de vieilles dates que nous avons laissés. Donc, ici, là, du côté droit, là, nous avons mis le compost. Ici, nous avons mis la matière carbonisée. Ici, nous n'en avons pas mis. Histoire de vous dire que vous pouvez vraiment faire de bonne agriculture en utilisant nos matières carbonisées. C'est ça qu'on appelle le biochar. Ça change complètement et radicalement la nature du sol. Voyez, constatez vous-même les maïs. Constatez-les. Ici, là, ce que vous voyez ici, c'est... Comment vous appelez ça? En Adja, moi je suis Adja, mais on dit Kandomi. Ça veut dire qu'on avait semé après tout, comme ça n'avait pas germé là-bas, on a ressemé. Donc, les jours, ce qu'on a semé le même jour dans les matières carbonisées, c'est ça qui sont bien portants. Et vous voyez ici par exemple, vous voyez ce maïs? Vous voyez ce maïs? Celui-ci là, il est tombé juste au milieu. L'autre là, il est tombé juste au milieu. Donc, vous voyez, c'est parce qu'il n'y a pas la matière carbonisée à son pied. Il est tombé juste au milieu et il a germé. Et ici, là, ça, c'est là où on a semé. Donc, si vous voulez du biochar, adressez-vous à nous. Nous en avons le kilo. On vend par kilo. Donc, vous pouvez trouver le biochar chez nous pour pouvoir changer radicalement la texture de votre sol et avoir de bons effets de bonne agriculture.